les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tuto que je dois vous faire depuis déjà quelques temps. C'est un tuto avec la palette 15 ans anniversaire de chez Urban Decay. Donc ce sera un tuto dans les tons bleus parce que j'aime beaucoup le bleu. Ce sera avec les deux couleurs du bas, en fait, Deep End et Evidence. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite parce que faut que je me dépêche. Alors, je vais mettre mon petit miroir. Alors, je vais commencer par mettre ma base. Enfin, je vais commencer par mettre une base. Donc moi, je vais prendre l'Aqua Cream de chez Make Up For Ever. C'est la numéro 21 et c'est un turquoise magnifique. Donc ensuite, je vais prendre ma palette 15 ans et je vais prendre la couleur Deep End qui est un turquoise qui ressemble vachement à l'Aqua Cream, tout simplement. Et je vais prendre un pinceau plat petit. Et je vais le mettre en coin interne. Is it okay? Ensuite... Alors je vous explique, je filme avec le caméscope, mais aussi avec le Lariflex. En fait pour voir si le tuto ressort bien avec le reflex, parce que en fait je filme avec le caméscope aussi parce qu'on ne sait jamais si avec le reflex c'est flou, et ben je veux avoir une petite porte de sortie. Donc c'est marrant parce qu'il faut que je regarde deux objectifs en même temps. Donc ensuite je vais reprendre ma palette 15 ans et je vais prendre Deep End. Et je vais prendre un autre pinceau platouné. Mais je vais prendre un qui était fourni dans la... Je crois que c'est la Naked. Ah, celui-là. Je prends Deep End. Et je le pose sur le reste de la paupière, en fait. To love you. Is it okay to be loved by you? Pour l'instant, ça fait très 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 marqué, évidemment, mais non, rien, de toute façon on va se tromper quoi. De toute façon, en maquillage, tout est une histoire d'estompage. Donc, pinceau estompeur, hein, c'est pas facile, avec photo et truc d'un côté et de l'autre. Pinceau estompeur et on y va. Is it okay to feel the way I feel? 'Cause I'm falling into pieces. How are you? Voilà. Je vais prendre un pinceau boule. Hop. Et je vais prendre... la Naked. Moi je vais prendre la Naked 1, mais après vous pouvez, je pense, trouver cette couleur un petit peu partout. Et je vais prendre Virgin qui est là pour nettoyer un peu les bords et finir de les estomper. Un petit peu de la couleur si ça vous en, si vous en avez envie. Donc moi je vais rajouter Deep End un peu en creux. Your flame will, I love you. When you return and let things happen, I stay always do. My glasses. Je vais prendre un petit pinceau précision comme ça. Et je vais prendre du noir. Donc là, je vais prendre celui de la palette 15 ans. Et je vais prendre Blackout. Je crois que c'est ça. Blackout. Donc ça, c'est le noir mat pigmenté. Juste un truc de dingue. Comme d'habitude, rate cils inférieur. Mais pas entier. Attendez, je le fais et je vous montre.
Voilà, jusque là à peu près. Et je fais toujours comme ça. Et un peu au-dessus. Ici en fait. Je fais le petit V ici. Et après j'estompe. Je vais finir mon ras de cils inférieur avec un truc un petit peu plus lumineux. Je vais prendre Chase qui est là. Je vais prendre un autre pinceau aussi parce que là. Hop, je remonte aussi un peu dans le coin interne. Je vais vous montrer. Comme ça. Voilà. Ensuite, je prends un crayon noir. Donc là, c'est mon perversion du Urban Decay que j'adore. Mais après, c'est celui que vous voulez. C'est juste pour mettre dans la muqueuse. Mascara, bien évidemment. Je vais faire également un peu mes sourcils. En fait, je vais juste combler les petits trous. Voilà. Donc, mascara. Donc moi, c'est mon Lancôme. Je change pas une équipe qui gagne. Et sur les lèvres, je vais faire un combo de deux produits. Je vais mettre un. Alors, je vais vous montrer. Je vais d'abord mettre une base de chez Kiko. C'est la lip base. Et je vais utiliser le Rebelle de chez MAC. Donc. Et vous, à côté, vous ne verrez point. En fait, c'est un violet. Violine. Et je vais mettre mon gloss de chez Dior, le 982 Flash, qui est un magnifique violet. Irisé. Avec des irisés. Et je vais pas en mettre beaucoup. Juste, je balaye, en fait. Voilà, donc, pour le look final. Je pense que je n'ai rien oublié. J'espère que ça vous plaît. C'est pour certaines un maquillage qui sera plus de soirée. Moi, je peux le porter en journée. Franchement, ça ne me dérange pas. Franchement, je vais vous faire des photos quand même parce que c'est vrai qu'avec la caméra, c'est pas super évident. Je vais vous faire des bisous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. Et si vous voulez, vous voyez que les cheveux détachés, c'est quand même autre chose. Si vous voulez des tutos spécifiques, quelque chose qui, voilà, vous le dites. Je sais pas, tuto jaune, violet, bleu, noir, orange, voilà. Vous le dites et puis bah je suis obligée de m'exécuter. Je vais vous faire évidemment des gros bisous. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo. Bye bye. We'll stop alive, we'll find